et vous qui trouviez votre boss trop dur avec vous au boulot. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des combats de boss les plus durs. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue certains des boss les plus difficiles et rageants de l'histoire du jeu vidéo. Évidemment, on n'a pas pu tous les inclure, alors on fera un autre top sur le sujet. Allons-y! Numéro 10, Balos, Cave Story. Spéléologue, attention à ce méchant en forme de pierre. En tant que boss final de ce jeu indé, Balos ne plaisante pas. Même parvenir jusqu'à lui constitue tout un défi. En effet, le jeu vous force à faire l'impossible et à remplir des conditions assez spéciales. Une fois qu'on arrive devant lui, Balos vous demande de le tuer mais ne vous facilite pas la tâche pour autant. Il a trois formes, toutes plus dangereuses les unes que les autres. Vous devrez donc vous servir habilement des plateformes et de votre arme pour l'avoir. On vous souhaite bonne chance! Numéro 9, le Yellow Devil, Mega Man. Ce robot de combat géant ne perd pas de temps et attaque Mega Man immédiatement avec un pattern assez complexe et il ne baisse jamais en intensité. Les joueurs les plus malins exploiteront sa faiblesse en se servant du tonnerre, mais ça ne les aidera pas à éviter ses attaques rapides et douloureuses. Le fait qu'il bouge également à l'autre bout de la pièce chaque fois que vous le frappez n'aide pas non plus puisqu'il est invincible pendant ce laps de temps. Après votre troisième ou quatrième désintégration, vous risquerez de voir jaune. Rouge plutôt. Numéro 8, le sénateur Armstrong, Metal Gear Rising Revengeance. Quel secret se cache derrière les abdos de ce politicien? La série Metal Gear est connue pour ses combats de boss excentriques et le sénateur Steven Armstrong ne fait pas exception. Après s'être battu contre des armées de cyborgs, Raiden, le protagoniste, fait face à son adversaire ultime. Est-ce un ninja rival? Un méca géant? Non, c'est un sénateur qui se sert de nanomachines pour accroître sa force. Résilient, rapide et doté de tout un tas d'attaques qui peuvent détruire votre barre de vie en un éclair, Armstrong veut redorer l'image de l'Amérique à la force du poing. How the hell did you get elected? Well... I don't write my own speeches. Numéro 7, Al Gore, South Park: The Stick of Truth. You're no normal human kid. It's you, Man Bear Pig. I have you now. Il ressemble peut-être à un gag, mais il est super sérieux. Ex-vice-président, militant écologiste et chasseur d'hommes en sport professionnel, Al Gore ne rigole pas dans ce jeu de rôle. Avec l'aide de quelques agents secrets dévoués et d'une présentation démoralisante sur les dangers du changement climatique, il risque de laminer votre équipe. Il a également pas mal de vie et peut contrer certaines de vos attaques. Lorsque vous en aurez enfin terminé avec lui, vous vous sentirez plus épuisé qu'après un visionnage de son documentaire « Une vérité qui dérange ». Numéro 6, La Volonté Persistante, Kingdom Hearts 2 Final Mix. On ne se souvient pas avoir croisé ce type à Disney World. Il s'agit de l'un des boss secrets du crossover entre Final Fantasy et Disney. Armé de sa propre Keyblade, la volonté persistante peut causer de gros dégâts à Sora, Donald et Dingo. Si vous parvenez à éviter les attaques incessantes, il volera constamment autour de l'arène à une vitesse hallucinante, ce qui en fait une cible très difficile à tuer. Véritable saleté, la volonté persistante causera une rage tout aussi persistante, même chez les meilleurs joueurs. Numéro 5, Goro, Mortal Kombat. Quatre bras égale 4 fois plus de difficulté. Goro apparaît pour la première fois dans le jeu original de la violente série de combats et il s'agit de l'avant-dernier boss du jeu. Ne vous fiez pas à sa carrure massive car cette grosse brute est aussi rapide qu'elle est forte et elle est tout à fait capable de vous le démontrer bras après bras après bras après bras. Ajoutez quelques projectiles magiques de bas étage, des mouvements de lutte qui vous prennent pas mal de vie et vous obtenez le mec qui a ruiné le plus de joueurs sur borne d'arcade. Numéro 4, le roi sans nom, Dark Souls 3. Doit-on vraiment s'étonner de voir un boss de Dark Souls 3 sur cette liste? Cette série de RPG hyper dure adore mettre les joueurs face à certains des boss les plus incroyables et frustrants du jeu vidéo. Et le roi sans nom n'échappe pas à la règle. Avec son armure épaisse et son dragon à plumes, il fait forte impression. Et bien entendu, avant de pouvoir le tuer, vous devez vous occuper de son dragon. Et là, on vous souhaite bonne chance. On aurait pu choisir Midir du DLC The Ringed City, mais ce combat est franchement nul, alors on a préféré le roi. Numéro 3, C'Thun, World of Warcraft. L'œil de Sauron pourrait prendre 2 ou 3 leçons de ce boss. C'Thun, l'un des plus vieux dieux de l'univers de Warcraft, ressemble à une masse de tentacules qui gigote avec un œil géant au centre. Et K'Elun aide les joueurs qui se font avoir par le regard de ce globe oculaire. Au début de WoW, C'Thun était de loin l'un des boss les plus difficiles à abattre. D'ailleurs, lorsqu'il est arrivé dans le jeu en 2006, il a fallu presque 3 mois pour qu'un joueur parvienne à le battre, alors que sa puissance avait déjà été réduite par 2 patchs. Qui aurait cru qu'un véritable dieu pourrait être aussi puissant? Numéro 2, Sans, Undertale. Ce squelette décontracté va vous donner un os à ronger. Sans est le boss final de la route du génocide dans ce RPG et autant dire qu'il n'est pas ravi que vous ayez tué tout le monde sur votre chemin. Du coup, le combat contre Sans est un véritable enfer qui mettra vos nerfs à rude épreuve puisqu'il est presque impossible de le battre sans mémoriser son pattern d'attaque complètement irrégulier. Il évite également tout ce que vous lui jetez jusqu'à la fin où le jeu vous permet enfin de le toucher. Au moins, sa musique est sympa, c'est déjà ça. Numéro 1, L'Orphelin de Kos, Bloodborne. Ah, le miracle de la naissance. Boss final du DLC The Old Hunter du jeu Bloodborne, l'orphelin de Kos tourne en ridicule les boss du jeu de base. Son design terrifiant ressemble à un humanoïde misérable et osseux et il crie comme un enfant grognon lors de chaque assaut. Et ce cri, vous risquez de l'entendre pas mal de fois vu qu'il attaque souvent et de façon brusque avec une hache faite de placenta. Même si vous arrivez à entamer sa barre de vie, l'orphelin de Kos entre dans une phase secondaire et devient plus gros, plus fort et plus rapide. Ah, From Software et les phases secondaires. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.